Mathias Gaudreau de Vacances Cristal. Grosse soirée ce soir. Oui, grosse soirée, effectivement, Herman. Ce soir, on clôture la première édition du Super Réservéto en fête de Vacances Cristal. Ça a commencé quand, tout ça? Ça a commencé par une idée en main qui me dit « Bon, mais j'aimerais ça remercier ma clientèle, puis on veut toujours promouvoir l'achat local, on veut toujours faire en sorte, mais promouvoir l'achat local sans rien faire de concret, bien, je voulais faire quelque chose de rassembleur, je voulais remercier ma clientèle, je voulais travailler en partenariat, comme j'ai dit à Herman tantôt. Un commanditaire, ça donne un prix, c'est in and out, mais moi, j'ai des partenaires pour travailler en équipe. Et c'est de là qu'il est parti, je pensais pas que ça allait virer comme ça, mais au bout de la ligne, on se ramasse avec plusieurs personnes ont participé et plus de 12 000 $ en prix à gagner. C'est impressionnant. Même moi, je suis impressionnée. Ce soir, pour clôturer l'événement, on a plus de 6 500 en prix, dont 2 000 en prix de présence. Et on a la collaboration, bien sûr, comme on l'a mentionné avec Honda, GM, qui eux aussi du côté de l'Est ont fait en sorte de faire 2 finalistes par mois tout l'été, qui sont ici ce soir pour courir la chance, eux aussi, de gagner le 2 500 crédit voyage. Mais ça a commencé, je t'écoute, là, ça a commencé début de l'été, tout ça? Au mois de mai, on a lancé une idée. À un moment donné, on se rend compte que... Moi, je pense que prendre de l'énergie à regarder la compétition se pointer le nez ici et là, au coin de la rue, dans les parties qui se présentent, je me suis dit non. Moi, au lieu de prendre cette énergie négative-là, ben je vais y aller all-in dans un nouveau projet. Puis j'ai pondu ça de même. Puis là, ben aujourd'hui, on est rendu que ça a super bien été. Les gens ont répondu, les commerçants même, jusqu'à la dernière minute, offrir la visibilité, puis qu'on puisse travailler en partenariat avec des entreprises locales. Là, la réponse a été vraiment bonne. Alors ce soir, c'est la clôture. On est à la brasserie. Oui, on est à la brasserie Ambiance, endroit où je travaille depuis 12 ans. C'est une ambiance familiale, donc on avait la chance d'avoir la brasserie Ambiance comme partenaire majeur qui a offert la soirée ce soir, qui m'a aidé beaucoup sur la planification. Marc m'a donné beaucoup un coup de main pour monter la salle. Et déjà, on est à l'étroit, très à l'étroit, puisqu'on fait sable, comble, et ce matin, on refusait encore des gens. C'est l'automne, il fait de plus en plus froid, donc on va se coller, on va avoir plus chaud. Oui, surtout qu'on a la chance d'avoir Daniel Saint-Gelais qui est là ce soir pour nous donner une chance, pour l'animation, pour nous donner chaud, justement. Mais la réponse est au-delà de mes attentes. Alors, si je comprends bien, parce que là, avec ce succès-là, il va y avoir une suite. Là. Il va y avoir une suite, oui, mais je veux faire encore quelque chose de... pas nécessairement plus gros, mais beaucoup plus rassembleur. Je veux vraiment essayer de pouvoir avoir la chance de me déplacer plus encore vers l'Est. Je veux rassembler encore plus d'entreprises pour qu'eux autres aussi en bénéficient. Ça soit pas juste bon pour mes clients, mais pour tous nos clients. Parce que si on fait de l'achat local, c'est qu'on a les mêmes clients. Fait qu'on se les partage ensemble pour qu'ils soient super gâtés puis qu'on limite un peu les déplacements vers les grands centres. Je t'écoute, on en parle beaucoup de l'achat local, puis à un moment donné, bon, tout le monde a un budget, puis des fois, on se dit « wow, c'est plus cher ici », mais dans le fond, si on s'en va magasiner à l'extérieur, il y a des dépenses, finalement, on va manger au resto, il y a d'autres choses qu'on ne prend pas en considération. Les gens oublient souvent que oui, les déplacements, hein, on dit souvent que les véhicules, à un moment donné, ça fait que les changements d'huile arrivent plus vite, le coût de l'essence, tant qu'à y être, tant qu'à être là, fait que souvent, ça nous revient plus vite. Puis moi, j'ai toujours pour m'en dire, je serais toujours fière de me présenter dans un commerce pour demander un service à lequel il m'a vendu un produit. Je sais pas comment les gens font en 2018 pour acheter quelque chose à l'extérieur et venir demander le service ici. Je peux pas concevoir qu'on n'a pas ce devoir-là, cette petite tripe-là de respect. Puis qu'on fait ça. Fait que moi, je suis toujours fière de me présenter au comptoir d'une entreprise pour demander un service. Je vous dirais qu'on a mille fois plus de services qu'en ville parce qu'on n'est pas un numéro. On est le voisin, on est l'ami, on est l'entreprise qui nous a donné un coup de main. C'est plus qu'un numéro, là. C'est une famille, c'est un partenariat. Souvent, en tant que consommateur, on prend pour acquis que le commerce qui est à côté de chez nous, il est là. La journée qu'il disparaît, on se rend compte que là, ben oui, il comblait un besoin, mais là, il ne l'a plus. Là. C'est un petit peu de notre faute si on ne l'a pas encouragé. Quoi. Bien, je vous dirais qu'il n'y a pas juste ça. C'est qu'il y a oui, le fait de ne pas avoir fait l'achat local qui entre en ligne de compte, mais il ne faut pas oublier aussi que les entrepreneurs et les entreprises doivent suivre la modernisation, doivent suivre le marché. Il faut emboîter le pas. Même moi, des fois, c'est pas facile parce que moi, je fais face à des géants d'Internet. Tu sais, le prix du voyage, c'est le même prix partout, là. Et on fera pas de chichi avec ça, là. L'OPC en 2010 a dit « on vend le même prix à tout le monde ».
Fait que t'as pas le choix, tu rivalises avec des gros, puis il faut que tu fasses la différence. Si je reste chez nous, ben je m'apitoie là-dessus ou que je procrastine un petit peu à suivre la tendance qui peut-être soit plus ou moins de ma génération pour certaines entreprises ou qui demande un investissement. Mais c'est un peu des deux. Mais il faut que les gens comprennent autant l'acheteur que le vendeur qu'il y a des situations qui font en sorte, mais c'est important de préserver nos emplois, effectivement. Alors, Vacances Cristal, ça existe depuis combien de temps, ça? Ça fait 8 ans. Donc, on a fêté notre 8e anniversaire il y a 10 jours. Donc, 8 ans qui est parti d'une petite histoire qui est devenue une grande entreprise, je pense, qui va bien. On vend partout dans le Québec. On était impliqué dans des situations jusqu'à Gatineau. On travaille, on développe cette île, Rimouski, Rivière-du-Loup. On a un grand marché puisque nos réseaux sociaux, c'est aussi un problème. Maintenant, ils explosent. Donc, ils nous bloquent. Donc, on est à trouver une façon de rejoindre le plus de monde possible avec les réseaux sociaux. Je pense que tu le réussis bien. On regarde le succès de ce soir. Le gros de ce branle-bas de combat-là s'est fait effectivement sur les réseaux sociaux pour toi. Oui, 90 % de mes ventes, toute ma clientèle est sur les réseaux sociaux. Effectivement, tout se passe là. C'est sûr qu'on essaie d'innover. C'est sûr que je me dis des fois, ils me disent « Cynthia, tu fais rien que publier, mais vous êtes toujours bien 5 000 à me suivre, tabarouette, il y a souvent quelque chose. » Soit vous venez voir, ou bien soit que ça prend quelque chose à dire, hein, parce que tu sais que ça prend toujours quelque chose à sortir pour venir sur le sujet. Hein. On commencera jamais par « maudit qu'elle est bonne, hein? Je vais te laisser aller et continuer effectivement l'animation que tu fais ce soir. C'est fantastique. Nous, on était très heureux de participer avec toi. C'est minime. Mais quand même, on a essayé de faire notre possible avec ça. C'est parti remise, Herman. Parce que moi, là, j'ai toujours plein de projets. Mon cerveau, il arrête jamais. Puis le meilleur moyen que j'ai de me détendre, c'est de rêver. Puis je pense qu'avec la venue de TVCO sur nos grands écrans, si on peut appeler ça comme ça, tu me permets, il y a juste l'avenir est devant nous, Herman. Il y a plein de projets qui s'en viennent, là. On y plonge à grands pas, quoi. Oui, parfait. Bien, merci de ta visite, Herman. Merci. Alors, je suis avec Gaétan Bergeron. Bonjour, Gaétan. Oui, bonjour. On est ici à l'Introbrasserie pour un 5 à 7 parce qu'il y a des gros changements dans l'imprimeur Lico. Oui, oui, c'est sûr. Effectivement, depuis peut-être, je te dirais, les 3 dernières années, on avait été approché par... disons que ça a commencé quand même assez... c'est assez... comment je dirais? Là? On était approché par un imprimeur extérieur pour que quelqu'un était intéressé d'acheter l'entreprise. Mais suite à ça, ça nous a fait réfléchir. Ça nous a fait réfléchir à l'effet que est-ce que notre relève va continuer? Parce qu'on était quand même en projet d'agrandissement. Il faut quand même dire qu'on a agrandi l'entreprise il y a à peu près 2 ans. On a rentré une nouvelle colleuse. On est vraiment spécialisé depuis les 8 dernières années dans le packaging, l'emballage, mais on continue à faire du commercial. Alors, il y a 3 ans, quand on avait été approché, finalement, on avait pris la décision d'évaluer comme il faut, parce qu'on ne voulait pas que l'entreprise s'en aille à l'extérieur de la région. La première approche, c'était que l'entreprise était achetée, mais qu'elle s'en allait vers l'extérieur. Suite à ça, on a décidé vraiment d'analyser comme il faut, on a refusé l'offre, puis on a décidé de s'en aller vers, comme je te dirais, vers la vérification validée avec nos enfants pour voir si on reprenait la relève. On s'est remis en situation, puis on s'est dit, suite à l'analyse de l'entreprise, nos enfants ne voulaient pas continuer avec nous. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait affaire avec le CTA, le Centre de transfert d'entreprise. C'est quand même un organisme qui nous a beaucoup aidé à trouver une relève dans notre entreprise. Il reste que, suite à certaines démarches avec le CTA, on a eu des rencontres. On a quand même analysé
à partir de certains candidats, les candidats qui étaient potentiels pour nous. Mettons, c'était une vision qui était la même que nous. Faut avoir la même vision, avoir les mêmes vraiment, comment je dirais, les mêmes critères d'évaluation. Fait que suite à ça, on a quand même, on a sélectionné un candidat avec qui? Louis, on a quand même, ça fait un an qu'on est en relation ensemble, qu'on est une démarche de vente d'action, c'est toujours un petit peu plus long. Fait que ça fait quand même un an qu'on est ensemble, en train de discuter avec nos avocats et les notaires, c'est un petit peu plus long. Fait que, on en est venu d'une conclusion finalement vers le milieu août pour une transaction en septembre. Louis, c'est quand même fait un mois qu'il est avec nous. Donc, nous, on est plus. On est là pour faire la transition de l'entreprise. On voulait que l'entreprise continue. Et c'est quand même 35 ans de notre vie. Ces 35 ans-là, on voulait qu'il y ait une continuité. Avec Louis, on perçoit, je pense qu'on s'en va vers la bonne direction. On va continuer, l'entreprise va continuer à progresser. On va être là pour les trois prochaines années pour faire le transfert. C'est sûr que moi, ce que je dirais, c'est plus que quand tu vends ton entreprise, il faut quand même qu'il y ait une bonne communication avec le vendeur, avec l'acquéreur. Puis tu as l'acquéreur, puis tu as le cédant. Puis l'acquéreur, il faut vraiment qu'il ait la même vision. Projet d'avenir pour nous, c'est sûr qu'éventuellement, après les trois ans, on s'en va vers la retraite. On verra par la suite. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on dit « bon, ben je décide puis je laisse aller les choses ». Quel facteur déterminant qui a fait que tu dises « ben finalement, on va vendre ». Le facteur, c'est que je suis rendu à 59 ans. C'est sûr que j'ai travaillé fort pour bâtir. Moi et Liane, on a travaillé très fort pour bâtir l'entreprise. Parce que vous avez parti à zéro quand ça a commencé? Oui, on a parti complètement à zéro. On a travaillé fort pour bâtir l'entreprise. Puis je pense que on voulait vraiment que l'entreprise reste ici parce que c'est grâce aux gens du milieu qu'on a réussi à développer notre entreprise. T'sais, c'est des défis constants. Les gens nous en mettent des défis, tu sais. L'emballage, le packaging, c'est grâce aux gens de Charlevoix qu'on est embarqué dans l'emballage, tu sais. En bref, c'est un petit peu ça, là, tu sais. Toi, tu as fait beaucoup d'entraînement avant de commencer ça. Tu faisais de l'entraînement? Oui. Je peux pas dire que oui. Tu sais, dans le fond, moi, quand j'ai sorti de l'école, j'ai étudié en imprimerie. Quand j'ai sorti de l'école, ma première idée, c'était de me partir en affaires. Sauf que mes parents, mes grands-parents, étaient tous des gens qui ont travaillé dans le domaine des affaires. Mon père était commerçant, mon grand-père aussi. J'ai comme eu une genre de piqûre en dedans de moi. Tu sais, je te dirais que, tu sais, j'ai quand même... ça me travaillait. Quand j'avais 18-19 ans, je voulais me partir en affaires. Alors, en sortant de l'école en tant que tel, j'ai travaillé, mais ça prend quand même une bonne capacité financière pour partir. J'avais pas beaucoup de sous. Fait que, écoute, j'ai parti à un gym dans ma région pour me faire connaître. Parce que j'ai quand même eu le gym pendant environ 5-6 ans. J'ai reparti l'imprimerie, j'ai revendu le gymnase. Puis, c'est avec les gens du milieu que j'ai progressé. C'est grâce aux gens du milieu. C'est sûr que je dirais qu'on aurait parti la même shop d'un autre endroit, peut-être que ça aurait été différent. T'sais, mais Charlevoix, pour nous, c'est comme... on est arrivé dans une région où l'imprimerie, il y avait quand même un besoin. Puis on a fait progresser un petit peu. Les défis dans l'imprimerie, c'est quoi? Les grands défis? Mes grands défis dans l'imprimerie... garde. On a toujours évolué. T'sais, nous, on était les premiers à rentrer une presse 6 couleurs dans l'est de la province. Les premiers à avoir rentré du numérique dans l'est de la province. On était... L'impression couleur. Oui, c'est ça. Une 6 couleurs, c'est que tu imprimes du CIMWAKI. En plus, tu peux mettre des vernis, tu peux faire des hexachromes.
On a été les premiers à développer, ou plutôt à rentrer ce genre de technologie-là dans l'est de la province. Quand je dis l'est, c'est Lac-Saint-Jean, Côte-Nord, il n'y en avait pas. J'ai toujours été innovateur. Je me suis toujours dit que au lieu de suivre le chemin des autres, j'aime mieux tracer mon chemin. Fait que dans Charlevoix, on était innovateur. Quand on a rentré la presse, notre première presse 4 couleurs, il y en avait seulement que 6 à Québec. Fait qu'on était comme le 7e qui a rentré en montant vers la Côte-Nord puis Lac-Saint-Jean. Suite à ça, il y en a eu d'autres. Hein. C'est correct aussi, le marché, on est comme des pionniers. Suite à ça, il y en a d'autres qui continuent, puis c'est correct. C'est normal de faire développer un produit dans une région, puis dans un secteur, même dans un coin de pays. Puis, comment je vois l'avenir là-dedans? Bien, tu sais, quand on a vu que le marché se modifiait graduellement avec l'avenue du web, on a quand même entrepris, on a évalué de nouveaux créneaux, dont l'emballage. Nous, on conçoit, on imprime, et on découpe, on colle les boîtes. On est les seuls dans l'est de la province à faire le processus complet. À Québec, il n'y en a pas vraiment qui le font. Ils font, ils font pas toutes les étapes de production. On va en faire comme deux ou trois, mais qui fait tout le processus du début à la fin, on est le seul dans l'est de la province. Entreprise, combien d'employés? Lico, on est 8. On est 8 employés. On essaie plus d'améliorer la rapidité en tant que tel. C'est sûr que le personnel, c'est super important d'avoir du bon personnel, mais il faut quand même penser au niveau technologie. Fait que des fois, tu vas rentrer une pièce d'équipement qui va performer plus rapide. Tu vas éliminer peut-être certains emplois, mais on n'a jamais éliminé d'emplois. Tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé d'augmenter notre productivité, notre production, en amenant des processus différents, puis en amenant des équipements plus performants. Et d'être compétitif avec les autres, parce que bon, on sait qu'on n'est pas très loin de Québec, alors ça peut être facile de comparer. Oui, je te dirais qu'on imprime beaucoup pour d'autres imprimeurs de Québec. On n'est pas classé comme... on est très compétitif avec Québec. C'est-à-dire, on peut se classer sur... il y a à peu près une dizaine d'imprimeurs à Québec là, qui sont à peu près de la même catégorie que nous au niveau équipement. Fait que c'est à peu près, ça te donne une ordre d'idée un peu quel genre d'entreprise on est. Louis, qui est le nouveau propriétaire, il est vraiment axé sur l'emballage comme nous. Autrement dit, il a comme embarqué avec notre vision, la même vision qu'on avait. Puis on va continuer à faire progresser l'entreprise. C'est un facteur déterminant. Pourquoi tu as décidé de vendre, finalement? Mon facteur déterminant, c'est pas nécessairement l'âge en tant que tel, c'est plus que je cherche. Vous avez un peu la même vision que vous autres. Oui. Oui, c'est sûr qu'il fallait, quand j'ai décidé que j'allais vendre, il fallait que je trouve quelqu'un qui avait la même vision. C'était vraiment ça le processus, c'est que je trouve quelqu'un qui avait la même vision que moi, qui s'en allait vers les mêmes, on avait les mêmes, comment je dirais, les mêmes prérequis, on voulait que le travail soit fait de la même manière. Gaëtan, on va te souhaiter une bonne retraite. Ben, merci bien. On espère, on te remercie pour tes services que tu nous as donnés pendant plusieurs années. Merci. Bonjour. Alors, le nouvel acquéreur de Infinity Lico. Tout à fait. Lico. Ça s'est décidé, ça va pas donner un mandat.
ça ne s'est pas décidé sur une base très rapide, en fait, parce que je dois dire que ça fait quand même un an qu'on discute avec Gaétan Guylaine de façon à pouvoir mettre les choses en place. Vous savez, une transaction, lorsqu'il s'agit d'un achat d'actions, c'est relativement complexe. Alors, on a eu l'occasion de se connaître à travers cette démarche-là, en fait, de négociation, si vous voulez. Puis, vous savez, les négociations, ce que c'est, ça implique des hauts, des bas, tout ça. Puis, lorsqu'on se retrouve dans des situations extrêmes, de mon point de vue, c'est là qu'on arrive à mieux saisir qui sont nos vis-à-vis. Puis, c'est de cette façon que j'ai connecté avec Gaétan et Guylaine. Ça m'a permis de comprendre que ces gens-là ont des valeurs avec lesquelles je connecte au niveau de la qualité, au niveau du respect. Puis on a cheminé comme ça, puis on a défini un plan pour la transition qui, à mon avis, est bien ficelé. Et maintenant, on va de l'avant. Ouais. Je pense que pour Gaétan, c'est important d'avoir quelqu'un qui avait un peu la même vision que lui. Tout à fait. Quelqu'un avec qui, même de mon côté, même chose. C'est, de mon point de vue, c'est important lorsque... j'examine une entreprise à l'intérieur de laquelle je suis appelé à progresser, à travailler, que l'entreprise soit en phase avec mes valeurs. Okay? Gaétan avait des visées aussi au niveau du développement de l'entreprise avec lesquelles j'adhérais. C'est-à-dire que, par exemple, au niveau de l'emballage. L'emballage, c'est un secteur à l'intérieur de laquelle l'entreprise progresse depuis 5 à 10 ans. Puis, je pense qu'il y a énormément de potentiel dans l'emballage, notamment au niveau local, provincial. Il y a des choses à faire. T'sais, il y a beaucoup d'enjeux qui sont à venir, vous savez, au niveau environnemental notamment. Puis, il y a également beaucoup de développement, même sur le plan technologique. T'sais, aujourd'hui, ça nous semble être un peu lointain comme réalité, là, mais on parle de produits intelligents. Vous savez, vos téléphones sont intelligents. Moi, je suis designer industriel de formation, puis... je vous prédis que qu'en cinq ans, les salières poivrières pourraient très bien être intelligentes. Puis l'emballage, on a parlé avec des fournisseurs de machines très récemment, là, puis ils nous indiquent que d'ici 5 à 10 ans, les emballages seront fort probablement intelligents eux aussi. Fait qu'il y a des gros défis en termes de recherche et développement, d'innovation, d'intégration de nouveaux procédés. Puis moi, en fait, c'est ce qui me drive. Je suis engagé dans cette démarche-là, beaucoup pour les raisons que j'ai évoquées. Est-ce que c'est un facteur déterminant qui fait qu'on décide d'acquérir un imprimé? Tout à fait. Un des facteurs, pour moi, l'entreprise, je le répète constamment, c'est plus une imprimerie. C'est une imprimerie. On est des imprimeurs, mais on est une entreprise dans l'emballage et l'impression. Vous allez voir au niveau de notre nouveau branding, on met de l'avant ces deux composantes-là de front. Alors, l'entreprise, dans la façon dont elle va véhiculer ses messages sur le plan marketing, de plus en plus, vous allez entendre l'ICO, impression et emballage, parce que les deux sont en synergie. Alors, pour moi, une imprimerie, telle qu'on la conçoit, comme une imprimerie d'il y a 30, 50 ans, c'est un modèle d'affaires qui est appelé à évoluer. Et aujourd'hui, d'arriver comme ça avec des services sont plus transversaux, où on intègre plusieurs procédés, puis qu'on offre un service clé en main, où on accompagne notre client de l'impression jusqu'à la mise en forme, puis on lui livre un produit quelque part fini. Ça, c'est clé dans la réussite d'une entreprise comme la nôtre. Une spécialisation et un accompagnement qui est plus global. Et c'est pas pour les entrepreneurs qui peuvent faire toutes ces étapes. En effet, c'est un positionnement stratégique sur lequel on souhaite miser puis investir davantage. Moi, je suis originaire de Québec. J'ai grandi à Québec. Ma famille est dans la Beauce, du côté autant de mon père que de ma mère, de Sainte-Marie-de-Beauce, du côté de mon père, Drouin. Pour ceux qui connaissent Drouin Frères, garage de Chevrolet, Sainte-Marie-de-Beauce, ça, c'est dans ma famille. Puis ma mère est de Vallée-Jonction. Puis autant des deux côtés, moi, mes grands-parents étaient des entrepreneurs. Ma famille est dans le manufacturier depuis 30-40 ans, toujours dans la Beauce, des entreprises assez reconnues dans leur secteur d'activité, Texel dans les textiles techniques, Pultral dans les matériaux composites. Est-ce que c'est l'imprimerie qui t'a amené dans la région ou tu es vu comme ça par hasard, tu as découvert ça? En fait, Charlevoix, pour tout dire, puis plus spécifiquement Baie-Saint-Paul,
Il s'agit d'un endroit, moi, que j'ai fréquenté assez souvent quand j'étais plus jeune. Mon père avait un voilier. Je ne cacherai pas qu'on allait du côté de l'île aux Coudres pour amarrer le voilier, parce qu'à l'époque, mon père aimait bien pouvoir sortir à marée basse. Mais par contre, systématiquement, lorsqu'on s'amarrait du côté de l'île aux Coudres, on prenait un taxi, on venait à Baie-Saint-Paul, puis on passait une journée ou deux. C'était bien agréable. Donc, la région, mon souvenir de la région est ancré. T'sais, lorsque je suis arrivé sur place, je reconnaissais l'endroit. C'est un lieu que j'affectionne particulièrement. C'est comme un peu ce chez toi. Oui, un peu. Moi, sinon, si on revient à la question de l'origine, là, la ville de Québec, c'est là où j'ai grandi. J'ai habité Montréal pendant une dizaine d'années, mais j'ai également travaillé en campagne, en Montérégie. J'ai travaillé à Paris, mais j'ai aussi travaillé, pour ceux qui connaissent un peu la France, en Auvergne, qui est une région campagnarde. Entre Paris et l'Auvergne, là, vous savez, en France, c'est un peu les deux extrêmes. J'ai pas de préférence marquée pour la ville ou la campagne. Là, les deux me plaisent beaucoup, en fait. Pour l'association de la fonds d'entreprise, comment ça va se passer? Pour le transfert, en fait, on fonctionne, on a établi un plan qui était inscrit dans la transaction. Vous savez, le contrat d'achat est constitué de façon à réaliser deux choses bien précises. La première chose, évidemment, ça va de soi, c'est la transaction au niveau de l'acquisition de la valeur monétaire de l'entreprise. Donc ça, on met ça de côté. Puis sinon, l'autre composante qui était clé, qui est aussi importante, sinon plus, c'est la transmission de connaissances. Alors, pour nous, il était primordial qu'on ait un support puis un accompagnement dans la transition. Guylaine puis Gaétan se sont engagés à être des nôtres pendant 3 ans. Puis, la façon dont ils font les choses aujourd'hui, dont ils ont toujours fait les choses, on veut la consolider, puis ajouter des couches. Vous savez, aller plus loin sur certains fronts. Est-ce qu'on va penser au même nombre d'employés? Bien, écoutez, considérant nos ambitions, on espère bien accroître notre nombre d'employés. C'est un peu là où on s'en va. Évidemment, y a une progression qui doit se faire. Moi, j'y suis dans une première année davantage pour atterrir, vous comprendrez bien. Il y a énormément de choses à apprendre, bien comprendre le secteur, évidemment. Mais à partir de la fin de la première année, puis pour les années qui vont suivre, Je suis très confiant qu'on va pouvoir faire croître l'entreprise. Est-ce que vous gardez le même nom des coûts en primaire? Ça va rester le même nom? Alors, vous avez vu que, vous avez peut-être constaté qu'on a changé, qu'on a fait un, moi j'appelle ça un refresh là, au niveau du branding. Alors, pour l'instant, on est dans l'ICO, on s'inscrit dans la continuité. Écoutez, On va devoir mener une réflexion stratégique sur ce qu'implique notre marque. Moi, je pense qu'il faut continuer à investir puis se distinguer par notre caractère régional. Mais c'est un peu ce que je peux révéler pour l'instant. Il y a des plans stratégiques qui vont se déployer, mais c'est là où on en est. Bien, nous, on se souhaite bonne chance. Ben, très bien. Je vous remercie beaucoup. Région. Au plaisir. Thank you.